Hello tout le monde, comment ça va ce matin? Donc aujourd'hui, on va parler partenariat. Voilà. En fait, on va faire un ensemble. Enfin, j'ai déjà commencé. Hein, avec ces petits champignons. Donc, c'est les petites maisons champignons. J'ai plein d'idées avec. Donc là, j'ai commencé au moins celui-là pour vous montrer ce que ça donne une fois colorisé, etc. Et. On recommencera de toute façon à faire d'autres projets avec parce que je les adore. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire. J'ai fait des ATC. J'en ai fait 4. Hop. Donc j'ai fait 4 ATC. J'ai fait la carte et aujourd'hui, on va faire la Memory Dex. Voilà. Je ne vais pas faire à des coins parce que sur une AT coin. Alors est-ce que j'en ai une dans le coin de prête? En principe, oui, j'en ai préparé d'avance. En fait, voilà, ça fait pile poil. Je me suis dit que bon, bof, bof, bof. Et puis même celle-ci, je crois, elle ne rentre pas. Si mémoire est bonne, c'est ça. Celle-ci, elle ne rentre pas. Donc du coup, je me suis dit que les AT coins, je sais pas, ATS encore pire. Donc du coup, j'ai pas fait. Mais je pense que je retenterai un peu plus tard. Oups, je mets tout partout derrière. Voilà. Je resserrai, mais plus tard. Voilà, pour cette fois-ci, j'ai juste un ensemble 4 ATC, une carte et la Memory Dex. Voilà, donc je vous mets sur mes mains, je vous les ai mis sur mon bureau pour que vous puissiez voir. Et on fait ça ensemble tout de suite. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, bon, j'ai changé de trépied, j'espère que vous y verrez encore mieux. Voilà, donc ce que ça donne, mes cartes et ATC, enfin ma carte et les ATC. Donc, je vous les montre de plus près, voilà. On va refaire à peu près le même fond avec les mêmes tamponnages et la petite maison. Voilà. Hop. Donc voilà. Hop, pour les ATC, je les mets de côté. Pardon. Et pour la carte, je l'ai faite à l'horizontale, donc comme ceci. Je n'ai pas fait de zigouille contour, c'est fait exprès. Ici, les maisons étaient embossées en noir. Ici, je ne l'ai pas fait. Mais il y a un peu plus de tamponnage de fond aussi. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer. Oh, il y a un truc sur ma feuille. On va pouvoir attaquer la Memory Dex. Donc, j'ai pris un fond noir. Et puis, on va faire tout de suite. Le fond, donc je vais utiliser ma Treasure Sky Blue comme sur la carte et les ATC. Voilà, donc pas trop, hein, ça sert à rien. Et un petit peu de violet, mais des Magical. Pareil, hein, très léger. C'est pas une grande surface, donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je dis très léger, mais j'en mets pas mal. Donc on va pcheater. On va pcheater quand j'arrive mon pcheater. Voilà. Bon, on va tomber à la poubelle. Hein. C'est comme chez toi. Oui. Ah quand même. Voilà. Ça me semble suffisant. On va laisser sécher. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, que ça sèche, que ça déjà je peux le ranger. Voilà. On va venir tamponner notre petite maison. Donc là, je pense que je vais en faire qu'une. Parce que c'est une Memory Dex, hein, c'est pas la carte. Donc, sur la carte, j'ai fait les 4. J'ai fait les 4 par ATC. Mais là, on va en choisir qu'une. Il me faut forcément une feuille pour tamponner, c'est mieux. Et comme j'ai utilisé toutes mes chutes, je n'en ai plus de sortie. Une, ça devrait suffire. Hein, voilà. Bon, ça ne va plus rentrer. Et voilà. Donc, on va venir tamponner une des maisons. Donc, un bac acrylique.
ma versa fine. Et voilà. Donc on va utiliser, je sais pas, laquelle on pourrait prendre. J'aime bien celle-ci. Allez, on part sur celle-ci. Donc, ah, une petite. Il se tamponne super bien. Très franchement, ça se tamponne super bien. J'espère que vous y voyez bien. Oui, ça a l'air. Hein. Ça a l'air. Donc, hop. Voilà. Ma petite maison. Ah bah décidément. Ensuite, hop, je vais pouvoir les ranger. Hop. Donc voilà, pour les petites maisons, ce sera fait. On pourra passer un autre tampon plus tard. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper autour. Mais grossièrement, hein, afin de pouvoir le coloriser. Voilà. Ok, je vais le mettre de côté parce que je vais le réutiliser sûrement dans la journée. Hop. Je vais prendre mes petites aquarelles de chez Action. Voilà. Oh, décidément. Un petit pinceau fin. Hop. Pardon, un petit peu d'eau, donc je vais prendre de ma bouteille parce que j'ai oublié d'aller en chercher. Je re-remplirai ma bouteille, c'est pas grave. Hop. Et on va pouvoir coloriser. Ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que là, bon, vous allez me voir faire, mais je vais vous mettre en accéléré. Donc je vais me taire.
Voilà. Ma petite maison est colorisée. Il ne reste plus qu'à la découper. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est pas sec sec. Oh, ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le beurre. Je vais venir ancrer les beurres avec ma Versafine Vintage Sepia. Comme j'ai fait sur tous les autres. Hop. Je trouve que ça fait que ça rehausse en fait le fond. Voilà, hop, ça c'est fait, c'est bon. Ensuite, je vais utiliser ce tampon-là que j'avais acheté sur AliExpress. Ne me demandez pas si ça vient d'une marque, je ne sais pas du tout. Je sais que j'ai craqué dessus, mais après, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et je vais utiliser le petit papillon qui est ici de Florilège et un instant de vie de chez Florilège. Voilà. Donc celui-là, je l'utilise très régulièrement en fait. C'est un de mes tampons. De fond chouchou du moment. Oups, donc ça je vais pousser, sinon ça sent la catastrophe. Là je le veux pas en entier, donc je veux juste la partie avec les ronds, donc je ne tamponne que la partie avec les ronds. Hop. Hop, voilà. Je vais juste venir faire un petit trait ici. En fait, je vais reprendre la même partie, mais je vais la mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux surtout les traits qui sont là et non les ronds. Voilà. Et je vais venir les mettre en biais par ici. Voilà. Donc ça donne ceci. Hop. Je nettoie ma plaque. Je vais renettoyer le tampon. Voilà, je peux le ranger. Oups. Oups. Et donc, je vais venir faire des petits papillons et ma petite étiquette. Alors, mes petits papillons, je vais les mettre aléatoirement. Que mon fond soit quand même habillé. Hop. Donc qu'est-ce que ça donne? Je vais sûrement mettre mon petit champignon ici. Voilà. Il nous manque l'étiquette. Alors est-ce que je vais avoir assez? Non. Peut-être sur celle-ci. Et oui, j'utilise même des toutes petites chutes. Ouais, sur celle-ci, ça le fait. Donc celle-là, je peux l'acheter. Ça sert à rien, je la garde. Hop. Hop. Hop,
je peux le ranger, j'en ai plus besoin. Hop. Je vais venir découper et entrer les bords de mon étiquette. Je vais venir la mettre en 3D. Je pense que je vais venir la mettre ici. Mon petit peu champignon ici. Et un, deux strass, enfin trois strass. Et je pense que ça suffira. Je ne veux pas en trop en mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller. On va essayer de centrer. Hop, c'était déjà mal parti. Ouais, c'est mieux. Je prends un autre chiffon. Parce que celui-là est un petit peu humide. Hop. Hop. Voilà. Tac. Donc je vais venir coller mon petit champignon. Mon étiquette en 3D. Hop, c'est rangé, c'est lui que je cherche. Donc par ici, voilà, ça donne ceci pour le moment, et on va rajouter des petits strass rouges. Hop, donc je vais prendre un assez gros pour mettre dans ce coin là et des petits. Ici. Ici. Voilà. Je pense pas qu'il en faille plus. Je vous remonte la memory bag. Moi, elle me plaît bien comme ça. J'ai pas envie d'en rajouter plus. Elle me plaît bien. Donc du coup, je vous remets l'ensemble. On a donc la carte, la memory bag. Les petites ATC. Voilà notre ensemble. Vous voyez, vous avez tout dans le champ, donc impeccable. Peut-être même décalé encore un peu. Voilà. Donc voilà notre ensemble avec les petites maisons champignons. J'aurais peut-être dû la l'embosser. Ouais, ça aurait été pas mal. Bon, pas tant pis. On saura pour la prochaine fois. Voilà. Oh bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis bisous, à plus tard. Ciao, 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 ciao.